qui a fait cela, là? Alors, on a des prénoms ici. Des prénoms, là. C'est Anne, là-bas, Laura. Voilà. Gila. Mais non. Alors, ils sont en CP. Oui. Ah, d'accord. CP aussi. Ils sont tous en CP. Oui. Voilà. D'accord. Donc, pendant les deux heures, là, vous allez faire des dessins, mais d'après ceux-là. Hein? Parce que ceux-là, vous ne les avez pas vus. Et moi, je les ai mis comme ça, en noir et blanc. Et puis, vous allez en choisir un. Même, vous êtes... vous pouvez en choisir plusieurs, le même, quoi. Hein? Moi, j'ai des petits, après, je vous... Et puis, vous dessinerez d'après ça. Ça vous plaît? Oui. Oui. Si ça vous plaît pas, vous le faites pas. Hein. On se force jamais. Vous évitez de toucher parce que ça reste une installation fragile. Hein. Ça reste une installation fragile. Donc vous mais je vais vous dire autre chose. Plus vous êtes près, moins vous voyez. Hein. Faut vous reculer pour voir. Hein. Voilà. Reculez-vous. C'est celui-là, non? C'est celui-là, non? C'est ça? Bon. Alors après, derrière, là. Ceux qui n'ont pas choisi restent là, hein? Ouais, là, c'est les mêmes. Tout le monde en a? Je l'ai fait choisir un dessin et le but, comme je t'avais dit, c'est qu'ils vont me les déglinguer à souhait, hein, c'est-à-dire faire quelque chose que moi je suis incapable de faire. Et après, en fonction de ces dessins-là, je les ferai travailler, peindre et moi aussi, hein, mais en restant au plus fidèle de ce qu'ils auront fait dans le graphisme. Ah, ça c'est joli. Allez, ça marche tout ça. Ça marche bien. Mais vous essayez de faire le dessin le plus grand possible sur la feuille. Hein? Parce que ça ne sert à rien de rester dans un coin, de s'effacer comme ça. Vous faites bien au milieu et le plus grand que vous pouvez. C'est d'accord? Vous avez compris? Oui. Hein? Donc, allez, ça, peut-être que ça va vous donner. Vous avez mis vos prénoms derrière. Je vais commencer par la tête, après le corps, les jambes, les bras, et puis les yeux, et puis, hein. Et moi, je construis toujours de cette manière-là. Donc, je fais un rond comme ça, allez hop, voilà, pourquoi pas. Et ça, et puis je vais faire le corps. Hein? Ça peut être un corps. Et puis, je vais lui faire quelque chose sur la tête, comme ça. Hein? Allez, ça. Vous voulez qu'il soit gay ou triste? Triste. Oh non! Quand c'est gay, c'est comme ça. Ok? Non? Oui, là, il est triste, hein? Triste. Et là, il est gay, là, il rigole, à pleine dents même, vous voyez? Le bonhomme Tétard, au départ, dans le monde entier, il a la même forme. Ah oui, c'est à même âge, il a la même force. C'est universel. C'est pour ça que moi, j'ai basé un peu ma démarche là-dessus, dans le sens où, dans l'universalité du dessin du bonhomme Tétard, chez l'être humain, ça représente l'enfance. Et l'enfant, on sait très bien que chaque individu a toujours l'enfant intérieur. Et donc, quand moi je fais une peinture, c'est un peu à cet endroit de l'être que je m'adresse. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous n'allez pas faire un petit dessin dans un coin, vous allez travailler sur toute la page. Le principal, c'est que vous fassiez quand même un personnage, et puis vous essayez, pas de refaire ça, mais vous vous en inspirez. S'en inspirer, ça veut dire qu'on prend modèle, c'est tout.
Et puis quand vous aurez fait ces dessins-là, moi, je vous ferai voir comment je fais. Voilà. Ben, je pense qu'au départ, ils ont la contrainte du dessin. Mais quand on observe ce qu'ils font, on voit que très vite, ils s'échappent de cette contrainte qui est au départ du dessin de M. Tardiveau. Ils en partent bien de ce dessin-là, mais ils s'en échappent. Hein. Ils s'en échappent pour aller vers leur portrait, ouais, leur imaginaire un peu. Ouais. En fait, M. Tardiveau, comme nous, on ne fait pas les dessins comme lui. Par exemple, les yeux, on ne les fait pas comme lui. La bouche, par exemple. Les mains, les pieds, les ventres, le corps, les chapeaux et les personnages. Et puis, c'est pas ma technique parce que moi, en gros, je dessine presque jamais son modèle. Oui, je vais l'appeler Monsieur Rigolo. Ouais. Lui, je vais l'appeler Madame. Madame Mini Doigt. Lui, je vais l'appeler Madame Bouton. Et lui, je vais l'appeler Monsieur Gros. Est-ce que ces personnages, les noms, ils sont trop drôles. Il a commencé par les yeux, là. Hein, au début, j'ai commencé par les yeux. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, tu te repères bien dans l'espace, toi, hein. Alors, continue, vas-y. Il a un rythme qui fait qu'on sent qu'il y a une réflexion avant de passer à l'acte. Les enfants doivent savoir que ce qu'ils font, même si c'est complètement déglingué, c'est vrai. Hein, je t'ai déjà dit que moi, j'avais basé ma démarche sur l'erreur, le défaut, parce que c'était quelque chose qui pouvait t'identifier. Hein, bon, ces petits bouts de chou, ils le font d'une manière naturelle. Ce qui est dommage, c'est qu'on essaie de leur dire, c'est pas ça. Avec ce dessin-là, on a transporté par le biais de l'informatique, merci l'informatique, on a fait un transparent qui, lui, va nous servir, avec le rétroprojecteur, à transposer sur le support. On va, pour la mise en page, pour satisfaire la mise en page, on va en choisir un, et puis l'autre, on le mettra à côté, mais pas forcément dans cette position-là, parce qu'on voit qu'il... Il ne rentre pas. Donc, on va le réduire par le procédé d'éloignement du rétroprojecteur. On va le réduire et on le mettra à côté. Hein. Sur le support qui recevra la couleur, on transporte le dessin. Voilà, de cette manière-là. On ne peut pas demander aux enfants... Quand il s'agit de mettre de la couleur, bon, on pourrait les faire colorier leur petit dessin, mais il ne se passerait pas grand-chose en fin de compte. Mais là, ils s'aperçoivent qu'avec un petit dessin transposé sur une toile, ça peut devenir comme un tableau. Hein? Et ça leur donne une idée que, partant d'un dessin, on peut faire entre guillemets, des œuvres, quoi, parce que les enfants sont des artistes. Hein? Donc l'enfant il va découvrir demain qu'avec son dessin, on a fait ça. Et bien sûr que lui ne saura pas le faire, mais plus grand, il le comprendra. Et s'il a envie de le faire, il le fera. Mais pour les maîtresses, c'est intéressant, parce que ça reste aussi un moyen de leur expliquer ce que l'on peut faire, si elles ne le savent pas déjà, bien sûr. Demain, les enfants vont venir peindre. Alors, il y a des supports où c'est un élève différent qui a fait. Donc, ils peindront chacun leur personnage. Voilà. Donc, c'est cette école-là. Hein.
Et il y a deux classes là. Allez vous mettre à l'aise. Vous avez des petits pots, de l'eau, des pinceaux, vous en avez amené? Oui, voilà, alors avec un pinceau, ben tu vas mettre de la couleur dedans, d'accord, hein? Alors toi, tu sais que tu es là, et puis après, il y a celui-là, il se reconnaît? Oui. C'est toi, encore une petite fille, eh bien regarde, tu es là. Là. Et alors là, ben, y a un oiseau qu'on a pris sur une autre feuille. Hein? Voilà. Ben, toi, tu vas être là, mon puce. D'accord? Voilà. Hein? Alors, je me répète, hein, ceux qui n'ont pas leur dessin là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas beaux. Hein. C'est parce que c'est autre chose de ce qu'on voulait faire. Regardez, là, il y a plusieurs formes de pinceaux. Vous avez vu? Des pinceaux larges comme ça. Et puis des pinceaux plus pointus comme ça. Alors quand vous avez des grandes surfaces, vous pouvez vous servir de celui-là. Et quand vous en avez des petites, par exemple là, dans les doigts, vous pouvez vous servir de celui-là. D'accord? Hein? Voilà. Vous avez compris? Hein? Alors tu choisis une couleur là-dedans pour faire le visage. Moi, d'accord? Donc on met un petit peu de couleur là. D'accord? Et puis, comme tu veux faire le visage, tu vas choisir un pinceau. Tu en avais choisi un déjà. Alors, quelle taille il a? Ben voilà, ça marche. Et tu peux voir que en mettant un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup, hein, c'est juste pour tremper, hein, voilà. Et tu vas peindre son visage. Voilà, ça démarre bien. Hein? Tu mouilles un tout petit peu comme ça, hein? Et puis après, tu peux faire ça. Oui, mais c'est du doré. Hein? Voilà. Et toi, c'est du bleu. Oui, les pots là, on va pas trop les promener. Hein? Ouais, c'est du rond, faites des bêtises. Voilà, je ne fais pas tout le reste. Hein. Alors, par exemple, si vous voulez faire le rien que le trait, comme ça, le trait, c'est ça. Si vous voulez faire en couleur, quelle couleur tu choisirais? Ça va, tu t'en sors? Attends, je crois que tu as vu qu'ils sont les pinceaux. Ah, ils sont là-bas. Ah, ben voilà. Hein? Voilà. Alors, ben, donc, allez. Quand l'eau est trop sale, là-dedans, vous me. On changera. La couleur, tu mets un petit peu d'eau, voilà, et voilà. Et puis après, ici, tu. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Attends, je vais en mettre. Elle est intéressante, cette. Voilà. Bon ben lui je vais le changer. Et là, regarde, là. Voilà. Bon, tu vois dans la forme, c'est respecté. Et là, bon, il y avait une petite anarchie. Enfin, mais lui savait ce qu'il avait fait. Mais bon, moi pour la lecture, ça sera autrement. Mais les formes sont respectées. Ça fait donc plusieurs fois qu'il vient dans l'Orne, la troisième fois. Et on a à chaque fois un retour tant des enseignants, les parents ne s'expriment pas tellement, mais les enseignants et les enfants, eux, s'expriment. Et Jean-Claude est quelqu'un qui est attendu. En fait, sa venue est quelque chose, les enfants attendent avec impatience. C'est un artiste qui a une exigence avec eux, mais qui leur laisse aussi beaucoup de liberté. Et qui ne leur impose pas des schémas. C'est pas comme à l'école, on ne reproduit pas un dessin, on peut laisser libre cours à son imagination. Donc là, il y en a cinq où les dessins sont faits. Et puis après, il y en a d'autres là-bas où les dessins ne sont pas faits. Mais on va faire pareil. Hein? D'accord? Alors on va mettre la couleur. Alors, on va... Alors vous allez tous faire pareil, vous allez choisir un outil, choisir la couleur et commencer à peindre
Et puis après, vous peignez tout au fur et à mesure, les bras, les yeux, les chapeaux. D'accord ? Oui, ça c'est moi. Oh, la belle couleur, regarde. Oh, j'ai inventé cette couleur. Oh, tu fais que d'inventer, toi, hein? Moi aussi, je viens d'inventer. Mais moi, ce qu'il est, le truc? Moi, je sais pas, j'en mets comme ça. Ça sera difficile pour moi, mais bon, je vous ferai voir comment je fais. Donc, j'ai mis ce personnage-là ici, vous voyez, hein, et puis celui-là, là. Alors, bien sûr que moi, je ne vais pas refaire ça. Je vais le faire à ma manière, hein, c'est-à-dire je vais essayer de peindre un peu comme le tableau que j'ai fait là-bas, pas forcément dans la couleur, mais pour qu'à la fin, ce soit un tableau. Donc, la prochaine fois, quand vous viendrez, ce ne sera peut-être pas celui-là, mais je veux dire que je démarrerai d'un dessin comme ça. Hein? Au fur et à mesure que je travaille, mes couleurs se mettent en place en fonction de ce que je ressens. Hein. Je vais vous faire voir. Donc au fur et à mesure que moi je vais avancer dans le... dans la peinture de cette toile-là, les couleurs peuvent changer. Hein. J'essaie de répartir les couleurs, mais ça c'est une méthode de peinture qu'on nous apprenait quand j'étais jeune. Maintenant c'est peut-être plus comme ça. Vous voyez, moi je vais faire fonctionner, par exemple, si je mets du rouge là, je vais simplifier. Hein. Je mettrai un rouge là et un rouge là, vous voyez, que ça fasse comme un triangle. Et puis après les verts pareil, entre eux. Les bleus pareil, entre eux. Toujours, moi j'ai fait souvent fonctionner comme ça, en triangle. Hein. Vous voulez qu'il regarde faire le par ici? Moi, oui. Hein? Oui, vous voulez qu'il regarde par ici? Oui. Ah là, il regarde. Regarde, mes copains. Ça se voit. Non, il regarde la peinture. Il regarde l'eau. Et... Il regarde. J'ai peint devant eux. Qui est là, c'était aussi pour leur faire voir que sur des grands formats, on ne commence pas forcément dans un coin pour finir dans l'autre, mais qu'on mène une surface point par point. Et bien, j'ai pu m'apercevoir que quand eux, après m'avoir vu peindre, ont repris leur format, que chacun avait retenu quelque chose. Et
Les maîtresses aussi sont satisfaites. Elles m'expliquaient qu'effectivement, ils faisaient maintenant, enfin, sur les exercices qu'on leur a fait faire, qu'ils faisaient plus grand que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire leur donner une liberté et une confiance en eux dans la mesure où ils prenaient possession de la page entière.